En passant du côté de Bois Blanc, Saint-Rose, est-ce que vous avez vu une lueur rougeâtre, que vous avez vu quelque Alors chose? j'ai vu commencer à avoir une lueur rougeâtre à partir de Saint-Benoît, mais vraiment, enfin une lueur quoi. Hein, et au fur et à mesure qu'on se rapprochait, elle disparaissait. Quand je suis rentré dans le rempart, on la revoyait. Arrivé ici vers 4h30, il pleuvait fort. Puis maintenant, ça passe, ça repasse. Regardez là, ça commence un tout petit peu à revenir, mais non, il n'y a pas grand-chose. D'accord, merci bien, monsieur. Bonne journée. Concernant la coulée elle-même, il n'y a plus de rouge sur le bas. Là, vous voyez environ 3 500 de la route, il n'y a plus rien. Alors, concernant le sentier, il y a un sentier, on appelle ça le sentier du Tremblay, à côté de la ravine du Pont-Rouge. Si tout va bien, dans la journée, ce sentier sera réouvert aux randonneurs. Il faudrait compter 17 500 km pour y accéder jusqu'au piton de Berre. Voilà. 17 500 km. Je pense que dans la journée, l'ONF va prendre la décision de réouvrir ce sentier qui est fermé depuis quelques mois d'ailleurs. Mais depuis hier, ils en parlent, ça va être réouvert dans la journée. Les randonneurs pourront s'y rendre après au piton de Berre, les gens qui veulent, les randonneurs. Alors concernant ici même, je rappelle que de la lave en fusion, il est impossible de voir ce matin, peut-être dans le courant de la journée. Voilà un point ce matin, Estelle, sur cette éruption volcanique qui prend le cours depuis dimanche 14h. Voilà. Thank you.